Allô tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée de pas avoir fait de vidéo depuis un mois, genre peut-être. Quelque chose comme ça. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup profité des vacances. Puis j'avais pas d'idée de vidéo aussi. Mais j'ai trouvé une idée, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma trousse à maquillage. Alors on commence tout de suite. Avec mon déo, ça n'a tellement pas rapport, mais je l'adore. Voilà. C'est lui, c'est à la vanille, il sent extrêmement bon. Alors voilà, Léo. On va le tasser parce qu'il prend quand même assez de place. Et on continue tout de suite avec mon nouveau rouge à lèvres. Attendez, je vais l'ouvrir. Alors... voilà, c'est mon rouge à lèvres, mon nouveau, qui est vraiment juste beau, là, la couleur est trop belle. Je vais vous montrer la couleur. Alors voilà, ça c'est la couleur. C'est ça que ça fait, quand même une jolie couleur. Bon, je le referme, puis après... on continue la vidéo. Je vais bientôt faire la vidéo où je vous présente ma nouvelle chambre. Juste qu'on est encore en train d'améliorer quelque chose. Parce que j'avais remarqué quelque chose que j'aimais pas. Et mes parents l'ont changé. Alors, on est en train de changer. On enchaîne tout de suite. Avec mon autre rouge à lèvres. Vraiment assez vieux. Là, il a coulé. Je vais pas vous montrer la couleur. Parce qu'il apparaît pas vraiment. Mais voilà, c'est ça, c'est mon autre rouge à lèvres. La couleur, ça prend du temps avant d'apparaître. Mon nouveau, il est genre... alors, on enchaîne tout de suite avec mon baume à lèvres. Ah! Ok, on continue. Ben, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment il est magnifique. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est bon. C'est le baume à lèvres cristal. Avant, il était encore plus transparent. C'est juste que j'ai trop utilisé, fait que... puis à cause de la chaleur, ça l'a fait un peu jaunir. Puis voilà. Bon. Je vous mets là. Vous avez une magnifique vue de mon règne. Que j'apprécie énormément. Que porter le chapeau du bac à mon frère. Ouais. Voilà, je l'ai fermé. Mais ça tout de suite de côté et on revient au reste. On continue. Mon deuxième baume à lèvres. Lui il est blanc à l'intérieur, je l'adore, là, il sent trop bon. Alors voilà. J'ai un troisième baume à lèvres, ce qui est dans ma pochette dans l'école. Mon rouge à lèvres, ah c'est lui que j'utilise depuis que je suis jeune, c'est ma mamie qui me l'a offert, il y a des fleurs dessus et tout. C'est mon préféré, je vous le conseille fortement, mais je sais plus s'il existe encore, mais la couleur est juste magnifique. Alors voici le rouge à lèvres en question. Vous allez dire, on dirait que c'est brun caca, dans le rendu, ouais, mais en réalité non. Vous voyez la couleur plus foncée? C'est ça la couleur, il est vraiment magnifique. Oh, rose, c'est lui de tantôt. Voilà. Bon. C'est bon, je vais le refermer. Lui, je l'utilise depuis que je suis vraiment tout petite. Genre, c'est une passion. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est mon vernis à ongles. Oui, je dis trousse à maquillage, mais c'est un peu la trousse à n'importe quoi. Mon vernis à ongles. J'ai aussi acheté parce qu'il est marqué Insta, puis j'adore Instagram. Je vais vous donner mon Insta, mon Instagram. C'est l'Asthenia, trait d'union vers en bas, officiel. Alors voilà. Alors voilà, je l'adore. C'est couleur corail. On continue tout de suite avec le dernier morceau, finalement, de ma petite trousse à maquillage. C'est un autre vernis à ongles. Puis je l'adore, il fait de la couleur genre gris argenté.
Alors voilà, c'était pour montrer ma trousse à maquillage et vous présenter ma chambre. S'en vient à grands pas. Alors bisous mes abos chéris. Bye!